Ouais, l'empathie, ouais. Moi, je suis dans la manif. Ça va, les actionnaires? Ça vous a plu, pas de dividendes pendant 5 ans? Ça, vous avez kiffé, hein? Alors forcément, la nature, l'empathie, s'échanger les énergies, c'est formidable. Mais nous, les délégués du personnel, on représente 11 000 collaborateurs. 11 000 collaborateurs, c'est 11 000 familles. C'est beaucoup, beaucoup de gens. Me faites pas dire ce que j'ai pas dit. La planète, ça nous intéresse. Évidemment, ça nous intéresse. On est d'accord pour que les agriculteurs soient mieux payés. Surtout quand on vit en ville. Et qu'on veut pas d'emmerde. Et moi, je veux pas d'emmerde. Alors, j'ai entendu la DRH. Je savais pas que Mirliton s'était transformé en secte avec des gourous. Mais pourquoi pas? Mais il y a un truc. On appartient au conseil d'administration, ok. On est maintenant même des actionnaires. Des actionnaires à merde. Donc pas de dividendes pour moi non plus. C'est vraiment super les entreprises à mission. C'est vraiment formidable. Bon, les agriculteurs, les salariés... La nature, alors, on fait venir la nature maintenant dans les entreprises. Le vivant. Ok, et ma fiche de paye? Et ma fiche de paye. Est-ce que, madame la présidente, madame la secrétaire générale, est-ce qu'on pourrait avoir des garanties? Des garanties. D'abord, sur les salaires. Deuxièmement, pas de licenciement. Voilà. Et puis quand même, cette histoire de dividendes, moi je veux en voir la couleur. Alors, encore une fois, cette histoire de nature, moi j'aime bien. J'aime les arbres. Avec les enfants, on aime bien aller à Center Park. C'est sympa. Il y a des Belges. Il y a des Néerlandais. Il y a des grosses bagnoles. Électriques. Mais voyez-vous, moi je suis un être humain. J'appartiens peut-être au vivant, mais je suis un consommateur. Et je vais au supermarché. Et je veux nourrir ma famille. Ok ? Et il y a de l'inflation. 20%, 30% d'inflation. Je ne suis pas un arbre. Je ne suis pas de l'humus. Je ne suis pas un putain de ver de terre. Je ne suis pas un ver de terre. Ça va, ça va.